Ce soir, je vais vous raconter une légende. La légende du fantôme des neiges du mont Komorebi. Cette histoire commence par la naissance d'une enfant, Ayumi. Sa mère, bien trop fébrile, ne survécut pas à l'accouchement. Raven, le frère d'Ayumi ainsi que leur père, la considérait comme coupable de cette tragédie. Elle fut détestée et haïe pour cela. Elle grandit seule, sans aucun soutien de la part de sa famille ou des autres enfants du village. Plus les années passèrent et plus Ayumi se renfermait dans sa solitude. Petit à petit, le désarroi finissait par la tuer de l'intérieur. Ayumi devint une fille mentalement instable et perturbée, et personne ne s'en souciait. Pas même Raven, qui préférait s'occuper de sa femme et de son fils. Elle se mit à créer un monde imaginaire qu'elle pouvait contrôler à sa guise. Toutes ces personnes qu'il avait ignorées autrefois, Ayumi les avait réimaginées en simples pantins manipulables qu'elle pouvait torturer à souhait. Ayumi ne pouvait s'empêcher de penser à cela. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, ses pensées malsaines devenaient de plus en plus fortes. Jusqu'au jour où elle commit l'irréparable. Elle tua son père de sang-froid, cet homme qui l'avait maltraité pendant toutes ces années. Un sourire de satisfaction se dessina sur son visage. Puis, ce dernier s'éteignit subitement, lorsqu'elle remarqua que son frère était en train de l'observer. Son regard et son corps étaient figés, tétanisés à l'idée d'être la prochaine victime d'Ayumi. Ayumi, toujours guidée par son monde imaginaire, entendit une voix qui l'appelait. Cette voix lui paraissait étrangement familière. Était-ce son inconscient, le fruit de son imagination ? Personne ne le sait. Cette voix répétait à Ayumi qu'elle pourrait devenir ce qu'elle avait toujours désiré, une jeune femme forte et acceptée par les autres. Après quelques hésitations, elle se décida à suivre cette voix qui la guida jusqu'au sommet de la montagne qui surplombait la ville où elle habitait. Raven essaya de l'en empêcher, mais elle n'écouta pas. Son rêve était sur le point de se réaliser. Avoir de la reconnaissance, des amis, du bonheur et surtout de la force. C'est tout ce que désirait Ayumi. Raven était désemparé. D'un côté, il haïssait sa sœur pour avoir tué son père, mais d'un autre côté, il ressentait aussi le poids de la culpabilité. Depuis toutes ces années, il avait laissé sombrer sa sœur dans la solitude et la folie, sans jamais lui venir en aide. Lorsqu'il comprit que sa sœur ne reviendrait pas, il dut prendre une décision. Il laissa une lettre destinée à sa femme et son fils, dans laquelle il expliqua tout ce qui venait de se produire. Il exprima son intention de vouloir retrouver sa sœur et de la sauver du mal qui la ronge, et promit de revenir très bientôt. Mais il ne rentra jamais chez lui. Il fut emporté par une tempête et ne fut jamais retrouvé. Était-ce la faute d'Ayumi ? Personne ne le sait. Ayumi n'est jamais revenue chez elle. La folie a-t-elle eu raison d'elle ? Peut-être ou peut-être pas. Cela fait maintenant plusieurs siècles que Ayumi a disparu. La légende raconte que son fantôme rôde toujours au sommet de la montagne et qu'elle y manifeste toujours sa colère en y déclenchant de fortes tempêtes. Il est fort probable que l'une de ces tempêtes soit à l'origine de la disparition de Raven. Aujourd'hui, plus personne n'ose monter au sommet de cette montagne, ni même de parler du fantôme, de peur d'éveiller la colère d'Ayumi. Cette histoire était vraiment terrifiante. Tu es une très bonne oratrice, Irina. Merci. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Tu crois vraiment que c'est une histoire vraie ? Oui, j'en suis sûre à 100%. L'histoire d'Ayumi n'est pas qu'une légende, elle est réelle. C'est assez flippant, non ? La pauvre, elle a dû tellement souffrir. Ouais. Peut-être qu'Ayumi a vraiment existé, mais ce que tu dis à la fin, je vois pas comment ça pourrait être possible. Les fantômes, ça n'existe pas.
Jill, tu n'en sais rien. Tu n'en as jamais vu, c'est tout. Moi, en tout cas, j'y crois à cette histoire. Eh ben moi, disons que je suis dubitative. Et toi, Logan, t'en penses quoi? Je sais pas trop. Rina, toutes ces infos au sujet d'Ayumi, où est-ce que tu les tiens? Je connais cette histoire grâce à ma mère. Elle a un ami qui habite dans la ville où a grandi Ayumi. Et tu es sûre de la véracité de son histoire? Oui, enfin, je crois. Je ne vois pas pourquoi ma mère aurait inventé ça. Vous savez quoi? Moi, je dis qu'il n'y a qu'une seule façon pour savoir si cette histoire est vraie. Erina, tu as l'adresse de l'ami de ta mère? Oui, je vais lui demander. Ok, alors on part là-bas. Comme ça, on va mélanger vacances et expéditions. Moi, j'ai pas dit que je voulais venir. Moi, c'est pas que j'ai pas envie de venir, mais on est encore étudiant et j'ai pas les moyens pour me payer le voyage. Bah, je peux toujours demander à mes parents de payer, t'inquiète. Ouais, enfin, je veux pas trop abuser. Mais non, Logan. Si on fait ce voyage, tu dois absolument venir. Et Sky, c'est pareil pour toi. Les fantômes, ça fait peur. C'est pour ça que j'ai pas envie de venir. Comment tu peux avoir peur de quelque chose qui n'existe pas? Sky, je te pensais pas comme ça. Jill, je t'ai déjà dit que j'ai vécu des expériences paranormales. Si j'ai aussi peur, c'est clairement à cause de ça. Tu verras si ça t'arrive un jour. Ton discours ne sera plus du tout le même. Ouais, on verra. Je comprends, Sky, mais là, tu ne seras pas seule. On sera là, tous ensemble. On ne va pas aller chasser le fantôme, c'est avant tout des vacances. Des vacances au Japon, c'est pas incroyable? Ouais. Bon, d'accord. Je vais venir. Génial. Et quant à toi, Logan, n'oublie pas, je me charge de tes frais pour le voyage. Merci, je te rembourserai. Je vais aller aussi en parler à ma mère. J'espère qu'elle sera d'accord. Bon, sur ce, je vais rentrer chez moi. C'était cool, cette petite soirée horreur. Ouais, surtout quand ça aboutit sur ce genre de projet. Erina, je peux dormir chez toi? J'ai un peu peur de rentrer. C'est cette histoire qui te rend comme ça, Sky? Jill, c'est vraiment pas marrant! Tu sais pas ce que j'ai vécu! Désolée, Sky, mais je peux pas m'empêcher de me foutre de ta gueule. Bon, allez, j'y vais. À plus, les filles. Alors, Erina? Oui, tu peux rester. Je te comprends, Sky. Comment tu peux être amie avec Jill, sérieusement? C'est juste une façade. Mais elle est sympa, en vrai. Bon, allez, viens. On va demander à ma mère. Ok. Maman? Oui? Est-ce que tu serais d'accord pour que je parte en vacances avec mes amis? Bien sûr. T'as plus de 18 ans, donc t'as le droit de faire ce que tu veux. Merci. On aimerait partir au Japon et plus exactement au Mont Komorebi. C'est à cause de la légende que je t'ai racontée? Oui, j'en ai parlé avec Sky, Jill et Logan. On a envie de partir sur les traces d'Ayumi. Est-ce que c'est bien raisonnable? Les gens racontent que toutes les personnes qui sont parties à sa recherche sont mortes. Je voudrais pas qu'il t'arrive la même chose, Erina. Maman, ne t'inquiète pas, on va pas partir à la chasse aux fantômes. J'aimerais juste avoir l'adresse de ton amie pour en apprendre plus sur cette fille. Je veux bien te la donner, mais promets-moi que tu n'iras pas chercher Ayumi. Oui, maman, je te le promets. Ok, je te fais confiance. Par contre, tu pourrais payer mon voyage et celui de Logan? Celui de ton ami aussi? Oui, s'il te plaît, il n'a pas l'argent. Et tu crois que moi je l'ai cet argent? Oui. Allez, maman! Ok, mais je veux que tu me rembourses. Oui, pas de problème, et je ferai tout ce que tu veux, maman. J'espère bien. Sky, c'est trop bien! On part au Japon! Mon rêve! Thank you.
Allô? Irina, ça va? Et comment? Bien sûr que ça va. On va vivre nos meilleures vacances, Logan. À ce sujet, je dois te dire quelque chose. Quoi? Tu vas pas me dire que tu viens pas quand même? Bien sûr que si, je viens. Mais c'est ma petite sœur. Elle va venir avec nous. Ok, c'est pas un problème. Mais pour le voyage, on part d'ici quelques jours et elle n'a pas de billet d'avion. Mes parents sont déjà chargés. Et d'ailleurs, je vais pouvoir te rembourser finalement. Oh, nickel. J'espère qu'elle va être sage. Attends, mais c'est ta sœur de 12 ans? Non, c'est celle qui en a 16. Mais elle est encore assez enfantine. Donc tu vois, j'espère qu'elle va bien se comporter. T'inquiète, je suis sûre que ça va le faire. C'est pas une gamine non plus. Non, mais imagine qu'il lui arrive quelque chose là-bas. Mes parents m'en voudraient à vie. Tu veux qu'il lui arrive quoi? T'as peur que le fantôme l'attaque? Eh ben, si on va là-bas, c'est pour ça, non? On y va pour se renseigner sur cette légende. Mais j'ai jamais dit qu'on irait dans la montagne où elle a disparu. Ça me rassure. Avec elle à devoir surveiller, je me vois pas faire n'importe quoi. Ça va bien se passer. J'espère. Bon, je te laisse. Ok, à dans 5 jours. Allez, plus que quelques jours avant le départ. Tu vas me manquer, ma chérie. Oh, maman. On part 2 semaines, ça va. Tu vas bien pouvoir te séparer de moi, non? Oui, mais... fais bien attention. Tu dois pas t'inquiéter. Et puis, il va y avoir la petite sœur de Logan aussi, donc raison de plus pour ne rien faire de stupide. Ok, je te fais confiance. Fais attention à Jill, surtout. Je la sens pas, cette fille. Je sais que c'est l'amant responsable du groupe, mais je te l'ai dit, fais-moi confiance. Tout se passera bien. Et nous voici au mont Komorebi, les amis! Super! Bon, on fait quoi? Audrey, tu vas pas commencer, hein? Moi, je propose qu'on aille voir à l'adresse que m'a donnée ma mère. Ok, allons-y.
Vous voulez pas vous reposer un peu avant? Bah, t'as qu'à rester là si tu veux pas venir. Moi, je veux faire du ski. On t'a rien demandé à toi. Si je suis venue, c'est pour ça. Alors on va faire du ski. Si tu veux y aller, alors vas-y. On ira voir la maison plus tard. Moi, j'ai jamais dit que j'étais d'accord pour t'amener là-bas. Je veux bien l'emmener si tu veux. Bon, parfait. Je reste ici alors. Enfin tranquille. Pourquoi il a fallu qu'on emmène ma sœur? Elle a l'air sympa, ta sœur. D'ici quelques jours, tu diras plus ça. Irina, Logan, rassurez-moi. Même si on en a l'occasion, on n'ira pas dans la montagne soi-disant hantée, hein? Rassure-toi, on n'ira pas à Sky. Et puis, il y a Audrey de toute façon, elle est trop jeune pour ça. D'ailleurs, Logan, tu as dit à ta sœur pourquoi on est venu ici? Non, je lui ai rien dit. Et j'aimerais pas qu'elle le sache d'ailleurs. Si jamais elle est au courant, elle va forcément vouloir partir à la recherche du fantôme. Elle croit dur comme fer aux légendes urbaines. Ah, comment on va faire alors? Elle va forcément le savoir si elle vient avec nous chez l'ami de ma mère. Eh ben, je vais rester ici avec elle. C'est pas grave, vous me raconterez. Tu te débrouilles trop bien, Ski! Merci. On va se chercher à manger? Oui, bonne idée. Audrey, faut que je prenne cet appel. C'est important. Pas de problème, je te prends quelque chose à manger. Ok, vas-y. Allô? Phoebe? T'es vraiment gonflée. Oh, Phoebe, depuis le temps que j'essaie de t'appeler, et tu répondais plus à mes appels ni à mes messages. Pourquoi tu m'ignores? J'ai reçu tes cadeaux avec ton bouquet de roses et le petit mot. Phoebe, tu me manques. T'es vraiment dans l'abus. Quoi? Attends, je comprends pas bien, là. Mais y a rien à comprendre. Nous deux, c'est fini. Ça fait 2 mois que c'est fini. C'est quoi que tu comprends pas dans... Oublie-moi. Calme-toi, on peut en discuter, tu m'as même pas donné d'explication. J'ai aucun compte à te rendre. Maintenant, je vais raccrocher, j'ai perdu assez de temps comme ça. Mais... Phoebe... Ah, et merci pour la boîte de biscuits en forme de cœur. Mon chien s'en est régalé. Fais chier! Putain! Jill, allez, ramène-toi! J'en ai marre de t'attendre, là! Ça va? T'as les yeux tout rouges? C'est... à cause du froid. N'empêche, je suis bien contente d'avoir pu venir. Logan ne te l'avouera pas, mais il voulait que je vienne. Même si on se dispute tout le temps, on s'adore. C'est mon frangin après tout. Et puis, c'est le seul avec qui j'arrive à parler. Il sait à quel point je suis folle dingue des histoires surnaturelles, et il me juge pas. Alors que mes copines, elles font que se moquer de moi. Mais c'est pas grave. Un de ces quatre, j'aurai ma revanche. Dis-moi, tu sais quel est le véritable but de ce voyage ?
Comment ça? On est venu ici pour skier, non? Oui, mais il y a autre chose. Ton frère t'en a pas parlé? Non. Irina nous a parlé d'une légende. Apparemment, il y aurait un fantôme qui hanterait cette montagne. Un fantôme? Waouh! Mais c'est trop bien! Tu n'as pas peur des fantômes, toi? Tu rigoles, j'espère! J'adore tout ce qui est paranormal! Moi, j'y crois pas trop. Mais c'est aussi pour ça que je suis venue ici. Ça me permettra de mettre mes idées au clair. Bon, et c'est quand qu'on y va sur cette montagne? J'ai hâte de le voir, ce fantôme! Avant, on doit aller voir quelqu'un. Mais une fois que ce sera fait, oui, on ira. Excusez-moi. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous êtes des touristes? Oui. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Je vous conseille d'arrêter de parler de votre sujet de conversation. Quoi? Du fantôme? Chut! Il faut pas en parler! Sinon elle va revenir! Qui ça? Vous parlez du fantôme d'Ayumi? Stop! Vous ne devez pas prononcer son nom! C'est surtout pas ici! Elle hante le sommet de cette montagne. Et maintenant, à cause de vous, elle doit être toute proche. Je suis même sûr qu'elle nous observe actuellement. Oh, trop cool! Non, ce n'est pas cool! Toutes les personnes qui en parlent finissent par être retrouvées assassinées. Pff, c'est des conneries. Au pire des cas, c'est juste des coïncidences. Si seulement c'était le cas, mais ça ne l'est pas. Alors s'il vous plaît, faites ce que je vous dis. Et n'en parlez plus jamais. Jamais! D'accord? Oui. Bien. Je vous en remercie. Oh non! Ça y est, ça commence! C'est à cause de vous, ça! Vous l'avez réveillé! Oh. Vous ferez mieux de quitter ce lieu au plus vite! C'est quoi, Jill? Viens, Audrey. On rentre à la maison. Tu veux pas voir le fantôme? Je préfère qu'on en parle à ton frère, d'abord. Ok, ok. Tout s'est bien passé, les filles? Oui, on a fait du ski, c'était génial! Par contre, pourquoi tu m'as pas dit qu'on venait ici pour chercher un fantôme? Chercher un fantôme? Mais pas du tout! Où est-ce que t'es allé chercher ça? On est là pour des vacances! Jill m'a tout raconté. Merci, Jill! Je vois qu'on peut compter sur toi! Elle avait le droit d'être au courant. De base, elle devait même pas venir! D'ailleurs, on a failli voir le fantôme, mais Jill a préféré rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, on a croisé quelqu'un. Cette personne nous a demandé d'arrêter de parler du fantôme. Puis ensuite, le vent s'est levé et ce gars a commencé à dire que c'était de notre faute. Il a insisté et il nous a dit que le fantôme allait essayer de nous tuer. Et après, on est rentré. C'est bizarre. C'est comme dans la légende que m'a racontée ma mère. Ça commence toujours par une tempête, juste avant que le fantôme fasse son apparition. Ensuite, le fantôme finit par assassiner ceux qui l'ont dérangé. Moi, je dis que c'est juste une coïncidence. Sérieux? Tu n'y crois toujours pas après ça, Jill? Sky, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, je n'y crois pas et je n'y croirai jamais. Bon alors, c'est quand qu'on retourne là-bas? Moi, je veux voir ce fantôme! Audrey, on n'ira pas. Surtout pas après ce qui vous est arrivé. Si ce que vous dites est vrai, et si Irina a raison, ça serait une preuve qu'il y a peut-être des phénomènes surnaturels dans cette montagne. Est-ce que c'est le fantôme, ou une simple tempête? On n'en sait rien, mais c'est trop risqué d'y retourner. T'es vraiment pas drôle, Logan. Je pense qu'il a raison. Entre ma mère qui croit en cette légende, un gars qui vient vous demander d'arrêter de parler du fantôme, puis le vent qui se lève comme par hasard pile poil après que vous ayez parlé de ça... Pour moi, il n'y a plus aucun doute. Il se passe bien quelque chose d'étrange ici. C'est vraiment pas rassurant. Et ça me rappelle des mauvais souvenirs. Tu t'emballes trop vite, Irina. Tu fais paniquer tout le monde pour rien, là.
On veut juste pas prendre de risques inutiles. Quel risque? Ça va, c'est juste un peu de vent. Bon, écoutez, oublions ça pour le moment et allons plutôt nous promener en ville. On est là pour profiter, je vous rappelle. Bah, on n'était pas censé aller chez le pote de ta mère? Ça peut bien patienter une journée. Je vous propose qu'on y aille demain, ok? Ok, si tu veux. Bonjour! Vous êtes bien sur la messagerie de Phoebe. Laissez-moi un petit message et j'essayerai de vous rappeler. Bisous, bisous! Bonsoir, Phoebe. Je sais que tu m'as dit de ne pas te rappeler, mais... j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi nous deux, ça n'a pas fonctionné. Tu sais que je suis quelqu'un de sensible dans le fond. C'est juste que... j'ai du mal à exprimer mes émotions. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Rappelle-moi vite. Bisous. Apparemment, c'est ici. J'espère qu'on s'est pas trompé. Bonjour, vous êtes ? Enchantée, moi c'est Irina, et voici mes amis. Jill, Sky, Logan et Audrey. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, voyez-vous... nous aurions espéré que vous pourriez nous renseigner à propos de... de la légende d'Ayumi. Je ne sais rien à ce sujet. Partez. Eh ben, ils sont super sympas les gens ici. Ayumi ne doit vraiment pas être un fantôme très apprécié. Les gens sont débiles. Ils ne devraient pas avoir peur d'une chose pareille. Je vous ai dit de partir. Attendez, je viens de la part de ma mère. Est-ce qu'il y aurait un certain John qui vit ici? Oui, c'est mon frère. C'est un ami de ma mère. Est-ce qu'on pourrait lui parler? D'accord, entrez. John! Des gens veulent te parler. Bonjour. Eh, mais on s'est vus hier. En effet, je vous ai vus, vous deux. Ravie de vous rencontrer. Je suis Irina, la fille de Jade. D'après ce que ma mère m'a dit, vous connaissez ? Ah oui, Jade. Je me souviens d'elle. Elle m'a accueilli lors de mon séjour en France. Il me semble qu'elle vous a contacté récemment. Je me trompe ? Oui. Elle m'a renvoyé quelque chose que j'avais oublié chez elle. Bon, et sinon, on peut se tutoyer ? Ok, pas de problème. En fait, si on est venu, c'est parce qu'apparemment, vous... Tu aurais des informations au sujet de... d'Ayumi. Ne prononcez surtout pas son nom ! Personne ne doit en parler ! Sinon, elle va se réveiller encore une fois ! Oh, arrêtez, bon sang! C'est pas bientôt fini, cette comédie? Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas. Ce ne sont que des mythes. Comment peut-on tenir ce genre de discours? C'est n'importe quoi.
Tu dis ça parce que tu l'as jamais vue. Mais elle est bien réelle. Ah, parce que toi tu l'as vue? Non, mais je sais que des gens l'ont vue. Oui, mais bien sûr. Arrête, Jill, ça suffit. Excuse-la. Pas de soucis. Si vous voulez vraiment qu'on en parle, alors il faut qu'on aille dans un endroit particulier. Vous êtes d'accord? Ok. Fais attention à toi, June. Ne t'inquiète pas, Reiko, tout se passera bien. Je les emmène dans le sanctuaire de la montagne, le seul lieu que les morts ne peuvent pas atteindre. Bien, nous devrions être en sécurité ici. Pourquoi on a dû venir ici? Cet endroit est protégé par un enchantement qui empêche les esprits de venir ici. Donc, on est vraiment en sécurité là? Les esprits ne peuvent pas nous atteindre? Oui. Les fantômes comme Mayumi ne peuvent ni nous attaquer, ni même nous entendre tant que nous sommes ici. Ce sanctuaire a été spécialement conçu pour ça. Ben voyons, ce qu'il faut pas entendre... Il aurait plutôt fallu construire quelque chose de plus utile que ça. Jill, t'as qu'à partir si tu veux. On te force pas à rester là. Si je reste, c'est simplement par curiosité. Bon, raconte-nous ce que tu sais sur Ayumi. Je vais d'abord commencer par le début. Tu dois te demander comment j'ai rencontré ta mère. Oui, bien sûr. Mis à part la légende, elle ne m'a jamais parlé de toi. J'ai fait 2 mois d'études en France, et ta mère m'a accueilli pendant cette période. Quand je suis reparti, j'ai oublié une petite boîte et dedans, il y avait une lettre. Cette lettre-là, pour être plus précis. Je suppose que tu en as déjà entendu parler. Cette lettre, je l'ai toujours gardée avec moi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Elle a été rédigée par Raven. Elle était destinée à sa femme et à son fils. Raven? Mais oui, le mec de la légende, le frère d'Ayumi. Tu nous en avais parlé, Irina. Ah oui, ça me revient maintenant. Il se trouve que je suis le descendant de Raven. D'où le fait que j'ai cette lettre en ma possession. Mais ça veut dire que ma mère a fouillé dans tes affaires? Absolument. Mais ce n'est pas bien grave. Jade est une femme formidable et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Donc, après qu'elle ait vu cette lettre, j'ai décidé de lui raconter la légende d'Ayumi. Par la suite, ta mère m'a gentiment renvoyé cette boîte. Mais j'étais loin de penser qu'elle parlerait de cette légende à sa propre fille. Et surtout, jamais je n'aurais imaginé me retrouver face à vous tous pour vous raconter cette histoire. Moi, j'aimerais trop rencontrer Fantôme. Enlève-toi cette idée de la tête. Irina, il faut que tu saches que je n'ai pas tout raconté à ta mère. C'est-à-dire? Il s'est passé des événements étranges après la disparition d'Ayumi. Qu'est-ce que tu entends par étrange? Quelques jours après qu'elle ait été déclarée disparue, il y eut un hommage en l'honneur de son père. Cet homme qu'elle avait elle-même assassiné. Mais l'hommage a été de courte durée. Il a été interrompu par une violente tempête qui a ravagé toute la ville. À la fin de cet incident, il fut plus facile de compter les survivants plutôt que les victimes. Plus de la moitié de la population de la ville est décédée ce jour-là. Oh, quelle horreur. C'était un véritable carnage. Il fallut peu de temps avant que les habitants comprennent que ça avait été la première manifestation du fantôme d'Ayumi. C'est à compter de ce jour que les habitants commencèrent réellement à avoir peur d'elle. En même temps, je peux la comprendre, avec ce que son père lui a fait. Sauf que pour Ayumi, cela n'a pas été suffisant. Depuis ce jour, elle voue une haine terrible pour toute forme de vie humaine. Perdez-vous en montagne et vous en mourrez. Osez prononcer son nom et vous en souffrirez. C'est une traque sans fin. Et alors, tu penses qu'elle va traquer Jill et Audrey? Je ne peux être sûr de rien. Vous avez tout de même parlé d'Ayumi en public. C'était dangereux et risqué. Oui, mais la tempête venait tout juste de commencer quand on est parti. Si vous l'avez provoquée, il y a quand même une possibilité que vous soyez sa nouvelle cible. Pourtant, quand on était encore en France, on parlait d'elle et il ne s'est rien passé. Heureusement pour vous, son champ d'action est limité au mont Komorebi. Quoi qu'il en soit, je vous encourage vivement à ne plus jamais prononcer son nom en dehors du sanctuaire. Les fantômes et les mauvais esprits peuvent parfois se montrer acharnés. Et je sais ce que je dis.
C'est vraiment flippant. Flippant, c'est encore trop faible comme mot. Mais oui, c'est une angoisse permanente pour tous les habitants. On a tous dû apprendre à vivre avec. Et donc, toi, t'es certain que c'est Ayumi qui crée des tempêtes? S'il te faut des preuves tangibles que Ayumi est bien derrière tout ça? Non, je n'en ai pas. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux, mais d'après Reven, il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute. Dans notre famille, cette légende se raconte au travers des générations. Nous nous sommes donné la responsabilité de continuer à avertir la population sur ce danger permanent qui plane sur nos têtes. Bon, donc si je simplifie votre histoire, ceci n'est qu'une légende. Et si ça se trouve, les disparitions, les tempêtes, tout ça, bah ce n'est qu'une simple coïncidence, n'est-ce pas? Je connais quelqu'un qui affirme avoir déjà vu le fantôme. Ah ouais? Genre, pour de vrai? Dans ce cas, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à parler de ça. Pfff, ça craint. Bon, je pense qu'on en a assez entendu. Merci de nous avoir raconté tout ça. Tu n'étais pas obligé. C'était important pour moi. Je vous ai tout dit pour que vous soyez plus prudents. Et pour éviter... qu'Ayumi revienne, une fois de plus. Bon, on y va. J'ai pas envie de m'éterniser ici, moi. Pff, ça me saoule. Ah, tu vas pas commencer, Audrey, hein? Mais tu sais que j'en ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu voir un vrai fantôme. Je te comprends, Audrey. On a tous voulu ça quand on était ados. Tous? Parle pour toi. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il vaut parfois mieux laisser les fantômes à leur place. Quand j'avais ton âge, j'ai fait des choses que j'ai regrettées. Mais moi, je suis pas toi. Je veux avoir mes propres expériences. Sky, ignore-la. Quand elle fait sa gamine, il vaut mieux la laisser dans son coin. Bon, on bouge? Allons-y. Pff, c'est pas juste. Dieu ne m'en voudra pas, ce n'est qu'un morceau de papier. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille des sources chaudes. C'est très relaxant, vous allez voir. Bonne idée, ça va nous changer les idées, ça. Et on en a bien besoin. Ouais. Audrey, t'attends quoi pour venir? Une invitation? J'arrive. C'est le pied total. C'est vrai que c'est relaxant. June a eu une bonne idée. Chut, Audrey, ce genre d'activité, ça se fait en silence. Tu veux jouer avec moi? Audrey, tais-toi, s'il te plaît. Mais j'ai rien dit. C'est ça, oui. Prends-moi pour une buse. Laisse tomber, Audrey. Jill est juste en train de te taquiner. On pourrait tellement s'amuser. Mais putain, mais... Ah non, là, j'ai vraiment rien dit. Arrête de m'accuser. Mais... qu'est-ce que... Vous avez rien entendu? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas... J'ai entendu comme une sorte de voix. Allez, viens jouer. On va bien s'amuser ensemble. Mais c'est quoi ce bordel? On pourrait être tellement heureuse. Mais ça vient d'où, putain? Jill, calme-toi. Allez, viens me rejoindre. Oh, je vais vriller. Je me sens si seule. On ferait bien de rentrer, non? Tu... t'entends des voix? Tu penses que c'est le fantôme?
Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas le fantôme parce que les fantômes n'existent pas. C'est juste que ça me donne la chair de poule. Ça va aller ? Tu veux bien être mon amie ? J'ai peur toute seule. J'ai peur des gens. Ok, là c'est trop. C'était marrant 2 minutes, mais là je dis stop. Je sais pas qui me fait cette blague de mauvais goût, mais maintenant vous arrêtez. Jill, ressaisis-toi. Ce n'était pas une blague, Jill. Tu dois affronter la réalité en face. C'est trop flippant. Je sais pas pourquoi cette voix continue de me parler, mais j'en ai marre, là. Ça suffit, je rentre. Attends, Jill. Il faudrait peut-être qu'on la suive, non? Pourquoi le fantôme m'a pas parlé à moi? On ne sait pas si c'est vraiment elle, mais... Rappelez-vous, on ne doit surtout pas en parler. Bon, rentrons. Ça me fait peur tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Est-ce que je deviens folle? Jill, ça va? Audrey, la voix qui m'a parlé, est-ce que tu l'as entendue? Non, je n'ai rien entendu. Supposons que ce soit vraiment elle. C'est pas logique. Pourquoi la voix ne s'adresse qu'à moi alors que j'étais avec toi quand on a parlé d'elle? T'as juste peut-être besoin d'une bonne sieste, non? Peut-être, oui. Je sais pas. Je me sens bizarre. Cette voix qui me parle me demande de l'aide. Elle me fait peur, mais en même temps, elle a l'air gentille. Je crois pas que ce soit son fantôme. Enfin, du moins, pas comme June nous l'avait décrit. Peut-être que June nous a pas dit toute la vérité. Arrête! Je vois pas pourquoi il nous aurait menti. C'est l'ami de ma mère. Moi, je lui fais confiance. Eh ben, grâce à moi, on va pouvoir en avoir le cœur net. Comment ça? Vous devinerez jamais. J'ai récupéré la lettre de June. C'est énorme, pas vrai? Pardon? Mais t'as craqué, toi? Depuis quand tu voles des objets aux gens comme ça? Crois-moi que maman va en entendre parler. Ça va chauffer pour toi. Audrey, je sais que tu pensais bien faire, mais le vol, c'est mal. J'ai rien volé du tout! June l'a fait tomber par terre! Tu aurais dû lui rendre. Bon, c'est pas grave. Tu vas poser cette lettre ici et tu n'y touches plus. On ira lui rendre demain. Mais ne fais plus ça, d'accord? Ok, j'ai compris. Quoi qu'il en soit, Jill, il faut que tu te reposes. On va te laisser un peu seule pour que tu puisses souffler, mais on sera dehors si t'as besoin de nous. Préviens-nous si quelque chose ne va pas. Ok. Merci, Irina. Moi, je reste avec toi, Jill. Non, va avec ton frère et les autres. T'inquiète pas pour moi. Non, j'insiste. Quelqu'un doit rester avec toi au cas où il t'arriverait quelque chose. Jill, pourquoi tu m'ignores? J'en ai marre que personne ne m'écoute. C'est toujours pareil. Ferme-la. Pardon? Je me sens tellement seule. La solitude est insupportable. Ferme-la, putain! Tu parles au fantôme, là, pas vrai? Jill, écoute-moi. Viens à ma rencontre. Je ne suis pas hostile, c'est promis. Je suis quelqu'un de bien. Et je ne fais aucun mal aux personnes que j'apprécie. Laisse-moi tranquille, bon sang! Mais pourquoi as-tu peur de moi? Tout ce que je fais, c'est uniquement pour rendre le monde meilleur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Mais arrête de t'en prendre à moi! Je t'ai dit de me laisser! Je n'ai pas l'intention de te laisser. Pas tant qu'on ne se soit pas rencontrés. Je veux une amie. Une véritable. Et j'ai pu voir au fond de toi que toi aussi. Tu as besoin d'une alliée. Tu es si seule au fond de toi. Alors je n'abandonnerai pas. Nous sommes faites pour nous entendre. Tu ne me connais pas!
Tu ne sais rien de moi. Alors arrête de faire semblant de t'intéresser à moi et fous-moi la paix. Nous serons bientôt amis. Je le sais. Laisse-toi guider par ma voix. Je te montrerai le chemin qui te mènera jusqu'à moi. Pourquoi est-ce que je ferais ça de toute façon? Donne-moi une seule bonne raison de vouloir te rejoindre. Je sais des choses que tu rêves de savoir. Sur toi. Sur ta vie et... sur tes amours. Sur ta copine. Je sais pourquoi elle te fuit comme la peste. Quoi? Non. C'est impossible. Je détiens toutes les réponses à tes questions. Alors viens, rejoins-moi. Tu ne le regretteras pas. Jill, raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle connaît des choses sur moi. Des choses qui sont intimes. Audrey, je sais pas quoi faire. Elle me dit de la rejoindre. La rejoindre? Mais pourquoi on ferait ça? Si j'accepte d'aller la voir, elle me donnera des réponses. Des réponses à quoi? Sur moi et... une personne que j'ai connue. Une personne qui me manque. Et tu crois qu'elle pourrait me donner des réponses à moi aussi? Laisse tomber, Audrey. C'est sûrement des conneries pour nous appâter. Non, c'est logique. Les fantômes peuvent tout voir et tout savoir. On doit absolument y aller. C'est une chance unique qu'on a là. Je sais pas trop. Suis ma voix, Jill. Je ne suis qu'une simple amie qui essaie de t'aider. Bon sang. Elle insiste. Elle a pas l'air de vouloir lâcher le morceau. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit y aller. Sinon, elle va te harceler. Tu crois que c'est la bonne solution? Et si jamais elle nous faisait du mal? Rappelle-toi de ce qu'a dit June. Moi? Je veux la rencontrer. Je pense que June nous a raconté que des mensonges à son sujet. Il a peur d'elle parce qu'elle est différente. C'est un fantôme et non un humain. Mais même les fantômes ont le droit d'avoir des amis. Et je suis sûre que c'est tout ce qu'elle recherche au final. Si tu le dis... Et puis, je suis peut-être même pas sûre que ce soit vraiment un fantôme. C'est peut-être moi qui deviens complètement folle et qui imagine toute cette histoire. On verra bien. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bon, alors allons-y. Merci, Audrey. Jill? Je viens de l'entendre. Enfin, je crois. Enfin, je vais avoir de nouvelles amies avec qui jouer. J'ai tellement hâte de vous rencontrer toutes les deux. Jill, Audrey, suivez ma voix et venez à ma rencontre. Nous suivons ta voix. Et comment on doit t'appeler? Appelez-moi par mon prénom. Appelez-moi Ayumi. Audrey, je commence à me dire qu'on a peut-être fait une connerie. Non, ne dis pas ça. C'était la meilleure chose à faire. Voilà, enfin. Je vous remercie d'être venu à ma rencontre. Je suis si contente de te rencontrer. Et moi donc? Je suis si heureuse. Vous ferez bientôt partie de ma chère et tendre collection. Comment ça, ta collection?
ma collection d'amis? Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous ne quitterez jamais cette montagne. C'est une blague, non? Vous serez bientôt comme moi. Éternel. Attends, tu veux nous tuer? Non. Enfin, oui. D'une certaine manière. Je vais devoir vous ôter de votre vie humaine. Pour que vous puissiez me rejoindre dans mon monde imaginaire. J'en étais sûre! Tu nous as tendu un piège! Alors, tout ce que tu voulais depuis le début, c'était nous tuer? C'est de ta faute, André! Tout est de ta faute! J'aurais jamais dû t'écouter! C'est votre enveloppe corporelle qui vous empêche de voir la beauté de mon geste. Quelle beauté! Une femme qui se fait passer pour un fantôme pour aller égorger secrètement des innocents! T'appelles ça de la beauté, toi? Désolée de vous avoir menti. J'aurais dû être honnête avec vous dès le début. En vérité, je peux avoir autant d'amis que je le souhaite. Il me suffit juste de libérer votre âme et de vous créer dans mon monde imaginaire. T'es taré! Arrête! Je t'en prie! T'es pas obligé de faire ça! Et si elle disait la vérité? Ce monde, il est souillé par l'horreur. Alors que dans mon monde, tout est tellement plus beau. J'apporte le respect, la joie et la bonne humeur à mes disciples. Mais tu as tué combien de personnes pour pouvoir créer ton monde? Les bonnes personnes telles que vous, je les libère juste de cette souffrance qu'ils sont destinés à subir. Et à travers moi, je leur donne une seconde vie. Quant à ceux qui ne vivent que pour répandre la haine sur Terre, je les envoie en enfer. Ils n'ont pas le droit d'avoir une place dans mon monde. On peut être heureux tout en restant dans le monde des vivants! Non, c'est impossible. On ne peut pas vivre heureux dans ce monde. Ces gens-là utilisent une image pour refouler leurs véritables sensations. Moi, j'étais comme ça de mon vivant. Jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre. Par comprendre quoi? Audrey, à quoi tu joues? Elle nous raconte que des bobards, là! Ressaisis-toi! Réfléchis-y deux minutes. Elle dit peut-être la vérité? Mais t'es devenue folle! Après avoir tué mon père, tout est devenu plus clair. J'ai fini par voir le monde d'une autre manière. Je savais ce qu'il me restait à faire. Audrey, pendant qu'elle parle, il faut qu'on essaie de se barrer. J'ai moi-même mis fin à mes jours sur cette montagne. Et depuis, je ne l'ai plus jamais quittée. Je suis restée pour ceux qui ont besoin de moi et pour répondre à la justice. Audrey, tu m'écoutes? Mais pourquoi ne pas avoir choisi de reposer dans l'au-delà, comme tous les autres morts? Mes amis imaginaires me disent de rester ici. Si je pars, je ne servirai plus à rien. Alors qu'ici, dans cette montagne, j'ai une mission. Et c'est quoi cette mission? Je suis la libératrice et la sauveuse des âmes. Lorsque je rencontre une personne, je vois immédiatement qui elle est au plus profond de son cœur. Et les bonnes âmes doivent être sauvées, conservées à jamais, pour devenir éternelles. Qu'est-ce que tu m'as fait? Audrey, Jill, j'ai lu en vous. Vous êtes des personnes au grand cœur. Et je veux vous compter parmi mes amis. Dans mes âmes. Dans ma collection. Je veux vous libérer. Hé, hey, mais c'est ma voix, ça! Qu'est-ce que tu lui as fait? Pour l'instant, rien. Mais il est temps que je vous vienne en aide. On n'a pas besoin de ton aide! Lâche-nous!
C'est la simple humaine en toi qui parle. Tu n'as pas encore goûté à la liberté que je veux t'offrir. Allez, laissez-moi faire. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Audrey, il faut qu'on parte, maintenant! Quoi? Cours au sanctuaire, vite! Vous pensez que c'est grave, ce qui arrive à Jill? Je sais pas trop quoi en penser. J'ai jamais été confronté à des situations paranormales. Vous êtes bien chanceux. J'aurais aimé pouvoir en dire autant. Sky, tu racontes souvent que t'as déjà vécu des événements... étranges. Je sais que t'aimes pas trop en parler dans les détails, mais... qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? Lorsque j'étais ado, ma mère regardait une série à la télé. Ça parlait... d'une femme policière qui pouvait parler avec les morts. J'ai trouvé ça tellement génial de voir que les victimes de meurtre pouvaient enfin dénoncer leur tueur. Oui, je me rappelle de cette série. Un jour, en regardant les informations, j'ai vu qu'une enfant de 8 ans était portée disparue. Ça m'a bouleversée. J'avais du mal à croire que quelqu'un puisse vouloir faire du mal à une enfant. Je te comprends. En tant que grand frère, j'ai toujours eu peur pour mes sœurs. Vu que j'étais triste pour cet enfant, j'ai décidé d'essayer de communiquer avec les morts. Je me disais que depuis l'au-delà, ils pourraient peut-être m'aider à retrouver l'enfant. J'ai essayé plusieurs techniques, mais j'ai jamais eu de résultat concluant. Sauf qu'une nuit, j'ai commencé à faire un rêve étrange. C'est-à-dire? Je me voyais sur une colline, complètement perdue. Et il y avait une fille qui me fixait du regard en se brossant les cheveux. Au début, je pensais que c'était l'enfant disparu, mais elle était trop âgée. J'avais beau lui poser des questions pour essayer de comprendre, mais... elle répondait pas. C'était très angoissant. Puis à un moment, elle s'est arrêtée de bouger, et elle s'est rapprochée lentement de moi. Oh, trop flippant. Et le pire, c'était la fin du rêve. Il se finissait toujours de la même manière. La fille hurlait mon nom, juste avant de me pousser de la colline. Waouh, t'as vraiment passé une mauvaise nuit ce jour-là. Sauf que ce rêve s'est répété, encore et encore. Je faisais toujours le même cauchemar. Pendant un mois, cette fillette me tuait en boucle dans mes rêves. J'étais à bout, et j'ai fini par en parler à ma mère. J'ai eu de la chance. Ma mère m'a immédiatement cru et m'a emmené voir le prêtre de son église. Lorsqu'il m'a rencontré, il a tout de suite su me dire ce qui m'arrivait. J'avais par accident invoqué la Mara, l'esprit des cauchemars. T'es sérieuse? C'est une histoire de dingue. J'ai dû retourner voir le prêtre 3 fois pour qu'il réussisse enfin à m'exorciser. Depuis... je n'ai plus jamais revu cette fille dans mes rêves, mais... j'ai toujours les images de ce cauchemar. Celui où je me vois tomber d'une colline et mourir. Jamais je ne pourrai oublier ce rêve. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Tu aurais dû m'en parler. J'ai des copines qui disaient que je mentais pour attirer l'attention. Du coup, j'ai jamais raconté ça à personne. J'avais trop peur qu'on me prenne pour une folle. Les événements paranormaux, tant qu'on ne les a pas vécus nous-mêmes, on a toujours du mal à y croire. Je pense que j'aurais réagi comme toi. J'aurais rien dit par peur du jugement. En tout cas, merci de t'être confiée, Sky. Ça restera entre nous. Promis. Merci, Irina. Bon, je pense qu'on ferait bien d'aller voir comment va Jill. Ouais, allons voir. Jill! Eh oh! Jill! T'es où? Pourquoi elle répond pas? J'en sais rien, mais c'est pas bon signe. Je vais fouiller la maison. Oh non, j'espère qu'elle va pas partir fouiner dans la montagne pour trouver le fantôme. Connaissant Jill, ça m'étonnerait. Elle croit toujours que cette légende est purement fictive. Et c'est bien ce qui me fait peur. Sa curiosité pourrait la pousser à aller vérifier ça par elle-même. Mais Audrey était avec elle, non? Elle nous aurait prévenus. Je pense pas. De son côté, Audrey rêve de rencontrer ce fantôme. J'espère vraiment qu'elles ne sont pas parties là-bas. Les filles, Jill et Audrey sont introuvables. Oh merde, c'est vraiment ce qu'on craignait. Faut pas qu'on perde de temps. Allons voir June, il pourra nous aider. Audrey...
Où que tu sois, petite sœur, t'as intérêt à aller bien. Vous allez bien? June, aide-nous s'il te plaît! Ma petite sœur et Jill ont disparu! Oula, calmez-vous! Venez vous asseoir. Il faut que vous m'expliquiez. Bon alors, vos amis ont disparu, c'est bien ça? Oui, ça a commencé lorsque Jill disait entendre des voix. Mais elle seule pouvait les entendre. Au début, on pensait que c'était passager, donc on lui a dit de se reposer. On s'est absenté quelques minutes, mais quand on est revenu, Jill et Audrey avaient disparu. D'accord, je crois comprendre. Jill et Audrey, c'est bien les filles que j'ai rencontrées à la station de ski, non? Exactement. Il y a de fortes chances que ces voix... ce soit... Quoi? Vous êtes sûr? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois? Oui. Le fantôme traque les personnes qui parlent d'elle. Une traque sans relâche. C'est sûr à 100% que c'est elle. Mais si vraiment c'est le cas... vos amies sont certainement mortes à l'heure qu'il est. Est-ce que tu serais en train de sous-entendre que ma petite sœur est morte? Logan, ne dis pas ça! Pour l'instant, on est sûr de rien. On n'est même pas sûr qu'elle soit partie dans la montagne. J'ai entendu votre conversation et vous avez dit que votre amie Jill commençait à avoir des hallucinations auditives. Elle vous a dit qu'elle entendait des voix et qu'elle avait l'impression de devenir folle, c'est bien ça? Oui, et tu veux en venir où? Je connais quelqu'un qui a vécu la même chose que votre amie. Je pense qu'elle serait capable de vous conseiller. Reiko, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. C'est trop tôt pour Axel, elle a encore besoin de temps. Sauf que le temps, Jill et Audrey n'en ont plus beaucoup. Et Axel est la seule à pouvoir les aider maintenant. C'est qui cette fille? Axel est la seule à avoir survécu à un face-à-face avec le fantôme. Ce n'est pas une bonne idée! Allez la voir, vous la trouverez dans la forêt de bambou. Elle y passe le plus clair de son temps. Si elle peut nous aider, alors on n'a pas une minute à perdre! Mais comment on va la reconnaître? C'est une Européenne aux cheveux courts. Vous verrez, vous la reconnaîtrez facilement. D'accord, merci Reiko. Oui, merci à vous deux. Et surtout, n'oubliez pas, ne prononcez sous aucun prétexte son nom, ou vous la réveillerez. Ça ne me dit rien qui vaille cette histoire. Si effectivement leurs amis sont partis là-haut, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle soit toujours en vie. J'en ai bien peur. Mais il y a toujours une probabilité qu'elle ait pu sortir vivante. Je vais aller voir au sanctuaire. Si elles sont en vie, c'est le seul lieu où elles ont pu se cacher. Alors on y va ensemble. Vu ce qu'il se passe, il vaut mieux rester prudent. Bien. Alors, allons-y! C'est vraiment magnifique, tous ces bambous. Audrey aurait adoré voir ça. Si seulement elle était encore là. On va les retrouver, Logan. Ne t'inquiète pas. Il faut que tu restes fort. Audrey aura besoin de son grand frère quand on l'aura retrouvé. Bon, je crois qu'on est au bon endroit. Maintenant, comment on va faire pour la trouver? Reiko a bien dit que c'était une Européenne en cheveux courts? Il me semble, oui. Alors je crois que je l'ai trouvé. Regardez, ça doit sûrement être elle là-bas, avec le mec à côté d'elle. Possible, allons lui demander. Bonjour, est-ce que vous êtes bien Axel?
Non, certainement pas. Excusez-la, elle est de mauvaise humeur. Je ne suis pas de mauvaise humeur, c'est juste que j'ai entendu un prénom qui m'a fait grincer des dents. Je m'appelle Akira, et ma copine tout tronchant s'appelle Maëlys. Vous n'êtes pas du coin, vous? Je me trompe? En effet, on est de passage. Par hasard, est-ce que vous connaissez bien cet endroit? On habite ici, donc oui, on connaît plutôt bien la région. Actuellement, vous êtes dans la forêt de bambou. Vous ne trouverez pas d'autre endroit plus relaxant. C'est vrai que ce lieu a un charme particulier. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous cherchons une personne qui s'appelle Axel. Vous la connaissez? Ouais, malheureusement, on la connaît. Mais je vais vous donner un conseil. Restez le plus loin possible de cette garce. Arrête, chérie. Reste poli, s'il te plaît. Je suis désolée d'insister, mais on doit vraiment lui parler. C'est très urgent. Si vous savez où aller, s'il vous plaît, dites-le nous. Il en est hors de question. T'exagères, Maëlys. Ils n'y sont pour rien, eux. Mais moi, je vais vous le dire. Elle est juste là-bas, allongée par terre. Pourquoi tu leur as dit? Tu sais pas tenir ta bouche. Je te rappelle que cette garce est responsable de... Non, elle n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Jack. Il faut que t'apprennes à tourner la page, maintenant. On va vous laisser, hein. Merci pour votre aide. Waouh, c'était... bizarre. Ils sont bizarres, les gens, ici. Dans d'autres circonstances, je me serais barré en courant. Ils ont fini par cracher le morceau. C'est l'essentiel. Bonjour, vous êtes bien à Axel? En personne, est-ce qu'on se connaît? Non, pas vraiment. C'est Raiko qui nous a parlé de toi. Elle nous a dit que tu pourrais nous aider. Ah, et comment puis-je vous aider? Eh bien, apparemment, tu as survécu à une attaque. Laissez-moi deviner. Vous voulez me parler de la légende, c'est bien ça? Oui. Oh, pitié! Aide-nous! Ma sœur a disparu! Oui, sa petite sœur et une amie à nous sont introuvables. Je vois. Et d'après vous, est-ce qu'elles auraient pu aller dans la montagne? On pense, oui. On a peur pour elles. Je comprends. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. J'espère que ça pourra vous aider. Venez, suivez-moi. Il y a un sanctuaire ici aussi? En tout, il y a 3 sanctuaires situés dans les 3 différents quartiers du Mont Komorebi. Il y en a donc un par quartier, c'est bon à savoir. Oui, ils permettent de protéger les habitants du fantôme d'Ayumi. On sait déjà tout ça. Jules nous a montré l'emplacement du sanctuaire sur la montagne. Mais concernant le troisième, vous savez où il se situe exactement? Il est situé à l'est du quartier de Wakaba. Je prends note. Ça pourrait toujours nous servir. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'y aller. Comme promis, je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé. Cela remonte à 2 ans maintenant. J'avais un copain qui s'appelait Jack. Lui et moi, on avait une passion en commun. Nous étions complètement fascinés par le paranormal. Cela incluait tout ce qui touchait de près ou de loin à des événements surnaturels, comme les esprits, les démons, les créatures mythologiques et les fantômes. Pour mon 26e anniversaire, Jack et moi, on a décidé de passer quelques semaines de vacances au Mont Komorebi. Au début, Jack était un peu réticent, parce que c'est là qu'habitait son ex-copine. Mais moi, j'étais tombée sous le charme des paysages magnifiques de cette région. Alors il a fini par dire oui. Attends 2 secondes, tu as bien dit le prénom Jack? C'est bizarre, on a rencontré une certaine Maëlys. Et elle a mentionné son prénom.
C'est normal, c'est justement cette Maëlys, l'ex-copine de Jack. Elle et moi, on a une relation plutôt tendue. Bref, continue ton histoire. Nous deux, ça devenait du sérieux. On se fréquentait depuis longtemps. Et un soir, dans la forêt de bambou, il m'a fait sa demande en mariage. C'était sûrement l'un des plus beaux jours de ma vie. Mais comme vous vous en doutez, les événements se sont gâtés. Et tout a fini par virer au cauchemar. À l'époque, nous ne savions rien de la légende du fantôme d'Ayumi. Personne ne nous en avait parlé. Bon sang, si seulement quelqu'un nous avait mis au courant, les choses auraient pu mieux tourner. Après avoir dit oui à la demande en fiançailles de Jack, nous avons voulu fêter ce jour mémorable en faisant quelque chose de spécial. Ce soir-là, nous avons essayé d'invoquer un esprit. Pour nous, il n'y avait rien de mal à faire cette expérience. Nous voulions seulement assouvir notre quête de savoir. C'était comme un rêve qui allait enfin prendre vie. Jack et moi, on a décidé d'aller au sommet de la montagne. Nous étions certains que si cela était fait dans les règles de l'art, notre invocation serait un succès qui nous apporterait un savoir et de véritables connaissances dans le domaine du paranormal. Nous avons alors commencé le rituel d'invocation. Mais juste avant d'avoir le temps de finir notre incantation, le vent a commencé à souffler, de plus en plus fort. La violence des rafales nous a stoppés dans notre élan. Puis, sortie de nulle part, elle nous est apparue. Ayumi était là, sous nos yeux. Elle paraissait si pure, si innocente. Dans un premier temps, nous étions émerveillés, absolument envoûtés par sa présence. Puis Ayumi s'est mise à nous parler, à nous expliquer son rôle dans la montagne. C'était très confus. Elle disait qu'elle rendait le monde meilleur, qu'elle le purifiait et qu'elle gardait les bonnes personnes avec elle. À jamais. Jack s'est approché d'elle pour essayer de lui parler, mais elle l'a tué. Comme ça, sans rien dire, le sourire aux lèvres. J'étais tétanisée par la peur. Là, elle m'a regardée et m'a dit qu'elle venait de le libérer de sa souffrance. Alors j'ai hurlé et j'ai couru, encore et encore, sans savoir où j'allais. Par chance, j'ai trouvé le sanctuaire de la montagne, et je me suis réfugiée à l'intérieur. Le lendemain, June me trouva à l'intérieur du sanctuaire. J'étais affamée et frigorifiée. Il m'expliqua qu'il avait vu une tempête se déchaîner sur la montagne, signe de l'apparition du fantôme d'Ayumi. Puis qu'il avait décidé de venir au sanctuaire pour vérifier s'il y avait des survivants. C'est ainsi que j'ai su que les trois sanctuaires étaient les seuls lieux inaccessibles pour Ayumi. Ensuite, il m'a raconté la légende, puis m'a raccompagnée dans le centre-ville. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'Ayumi pouvait me parler par la pensée. Et à partir de ce jour, elle s'est mise à me harceler. Elle m'appelait, elle me disait de la rejoindre dans la montagne, qu'elle m'aiderait à rejoindre mon fiancé. Et tous les jours, toutes les nuits, sa voix hantait mes pensées. Sans cesse. Elle n'arrêtait pas. Jusqu'au moment où je finis par devenir complètement folle. C'était invivable. C'est horrible. Mais comment tu as fait pour te débarrasser d'elle? Pour qu'elle arrête enfin de t'harceler? Elle a tout simplement trouvé d'autres victimes. Mais ça a duré un mois. Un mois de souffrance. Il m'a fallu être forte pour résister. J'ose à peine imaginer. Je suppose que vos amies ont disparu elles aussi après avoir entendu sa voix, je me trompe? Eh ben... Dil a entendu une voix, en effet. Elle commençait à péter un plomb. Donc c'est possible. Et je suppose qu'avant ça, elle avait réveillé Ayumi. Ouais. Elle a prononcé son nom lorsqu'elle est allée dans la montagne avec ma sœur. Votre amie Jill vit actuellement ce que j'ai vécu. Et ta sœur et elle sont en grave danger. Il y a un moyen de les sauver? Il y a une solution, oui. Ayumi doit trouver d'autres victimes pour que Jill soit enfin libérée. Pour simplifier, il faudrait que quelqu'un parle de nouveau d'Ayumi et réussisse à attirer son attention. Sinon, elle n'abandonnera pas. Tant qu'elle n'aura pas réussi à tuer vos amis, elle continuera de les harceler. Sinon, on pourrait essayer de la raisonner. Ayumi était une humaine avant. Peut-être qu'il lui reste encore une petite part d'humanité. Faire ça, ce serait extrêmement dangereux et difficile. Il faut bien que vous compreniez qu'Ayumi est devenue folle. Elle ne jure que par son monde imaginaire maintenant. Ce monde factice, c'est sa raison d'être. Croyez-moi, elle n'abandonnera pas aussi facilement.
Mais notre monde est aussi bien que le sien. Il faut qu'on arrive à lui prouver. Si c'est ce que tu veux faire, je ne t'en empêcherai pas. Mais dans ce cas, explique-moi ce que tu comptes faire. Ayumi n'a pas l'esprit tranquille. Elle est perturbée. Sa légende raconte que, pendant son enfance, elle était délaissée, maltraitée et torturée. Elle a grandi sans ne jamais connaître l'amour de qui que ce soit, en étant perdue dans une extrême solitude. Son monde imaginaire n'est qu'une utopie d'une vie qu'elle aurait rêvé d'avoir. Jun nous a raconté la légende. Il est aussi dit qu'elle avait un grand frère. Je suis certaine que lui, il l'aimait. Si seulement on pouvait le ramener d'entre les morts, je suis sûre qu'il pourrait la raisonner. Sky, tu parles de réveiller un mort là, quand même. Et moi qui pensais que tu avais la phobie des fantômes. Les fantômes me terrifient. Mais là, il est question de sauver Jill et Audrey. Et sûrement des tas d'autres innocents. Ton idée pourrait fonctionner. Théoriquement. Mais dans ce cas, je ne veux pas être mêlée à vos histoires. Depuis que j'ai perdu Jack, j'ai fait une croix sur le paranormal. Tout ça, c'est derrière moi maintenant. On comprend totalement, Axel. Ce que tu as vécu, ça a dû être horrible à supporter. Sache que tu as tout notre soutien. Merci pour votre compréhension. Et j'espère de tout cœur que vous finirez par retrouver vos amis. Bon, on sait ce qu'il y a à savoir maintenant. On a perdu assez de temps, on doit se manier. Mais tu veux qu'on aille où ? À la montagne ! T'as écouté ce qu'a dit Axel ? Ça pourrait être dangereux. Mais je m'en tape ! Audrey est en danger, tout comme Jill ! On doit les sortir de ce merdier avant qu'il soit trop tard. Logan, réfléchis. On sait maintenant que Jill et Audrey sont bel et bien partis dans la montagne pour y retrouver Ayumi. La seule personne qui saura nous dire quoi faire, c'est Jun. On s'en fout de Jun. On s'en fout de Reiko, tout comme on s'en fout d'Ayumi. Elles sont en danger. Ma sœur est en danger, putain. Donc on fonce là-bas et on les sauve. Faire ça, ce serait se jeter directement dans la gueule du loup. Jun en sait un paquet sur Ayumi. Vous devriez vraiment aller le voir. C'est la décision la plus sage à prendre. Je suis d'accord avec Axel. Ça ne servirait à rien d'aller dans la montagne sans vraiment savoir quoi faire. Et puis, si ça se trouve, il est déjà trop tard pour Audrey et Jill, donc... Trop tard ? Je peux pas croire que t'as osé dire ça, Irina. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai pas envie de mettre nos vies en danger inutilement. Et à l'heure qu'il est, Jun et Reiko sont les seuls à pouvoir nous conseiller. Donc on va les voir et seulement après on ira dans la montagne si on a un vrai plan. Bon, ok. Vous êtes à trois contre moi. On va faire comme vous voulez et rendre une putain de visite à Jun et Reiko parce qu'on a que ça à faire, hein. Mais écoute-moi bien, Irina. Si jamais il arrive malheur à Audrey ou Jill... Tes menaces ne résoudront rien, Logan. Si elles sont déjà mortes, on n'y peut rien. Et c'est pas moi qui ai dit à Jill et Audrey d'aller faire mumuse dans la montagne, je te rappelle. Donc tu baisses d'un ton maintenant, merci. Il vaut mieux pour toi qu'elles soient encore vivantes. Dans le cas contraire, je ne réponds plus de rien. Ok, ça suffit vous deux. Maintenant, en route. Jill, c'est bien toi. Est-ce que tu vas bien? Ne m'approchez pas, je vous ai dit. Restez où vous êtes. Calme-toi. Nous n'allons pas te faire du mal. Recule, putain! Si tu t'approches, je vais te tuer, comme je l'ai fait avec Audrey. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Audrey, elle est morte. Et c'est à cause de moi. Je me déteste. Calme-toi, Jill. Ce n'était pas toi. C'était certainement Ayumi. Non ! Ne prononcez pas son nom ! Ayumi n'existe pas. C'est qu'une légende.
Elle n'est que cette voix dans ma tête. Cette voix qui m'a dit de tuer Audrey. Oui. Oui! Parce que les fantômes n'existent pas! Cette légende a été inventée pour cacher les crimes des gens comme moi. June, elle est en plein délire, là. Maintenant, j'ai compris. En fait, je suis folle. Je suis une putain de psychopathe! Une tarée qui parle à des voix dans sa tête. Vous m'avez comprise? Alors ne m'approchez pas! Ok. Je vais te demander de m'écouter attentivement, d'accord? Tu n'es pas folle. Si, si, si. Bien sûr que si, je suis folle. Je le sais. Je vois des choses qui n'existent pas. Et il y a une voix dans ma tête. Elle me dit de faire des choses. Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu as bien vu quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu. J'ai vu Ayumi. Elle s'en est prise à Audrey. Elle l'a tuée. Et j'ai rien pu faire. Et qu'est-ce que tu as fait après? Tu as réussi à te réfugier ici, non? Après avoir tué Audrey, je suis venue ici. Mais je sais plus pourquoi. Sûrement parce que je sais que je ne pourrai jamais affronter le regard des autres après ce que j'ai fait. Attends deux secondes. Tu viens de me dire à l'instant que tu as vu Ayumi tuer ton amie Audrey. Tu vois bien que c'est pas logique. Vous comprenez rien. Je vous l'ai dit. Ayumi n'existe pas. Pourquoi vous voulez pas me croire? Combien de fois je vais devoir vous répéter que c'est moi qui l'ai tuée? Tu peux nous rappeler ton prénom? Je m'appelle Jill. Mais appelle-moi comme tu veux, on s'en fout. Jill, écoute-moi. On sait que tu as vécu une expérience traumatisante. Et on a besoin que tu te calmes. Respire profondément, reprends ton souffle. Et dis-nous ce qui s'est réellement passé. Le fantôme. Il m'a appelé. Et m'a dit d'aller dans la montagne. Sa voix paraissait apaisante. Elle disait vouloir nous libérer du mal qui nous ronge. Mais par libérer, elle voulait surtout dire qu'elle voulait nous tuer. Et Audrey et moi, on a compris trop tard sa véritable intention. On a essayé de s'enfuir, mais Audrey est tombée. Et j'ai pas su quoi faire. C'est allé tellement vite. J'étais trop paniquée. Alors je me suis enfuie. J'aurais dû la protéger, mais je n'ai rien fait. J'ai été faible. June, t'en penses quoi? Le fait qu'elle soit réticente au paranormal semble développer en elle une double personnalité. À ce stade, je ne sais même pas ce qu'on peut faire pour elle. On pourrait déjà commencer par l'emmener chez nous. Oui. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. On doit essayer de l'aider. M'aider? Vous voulez m'aider? Mais pourquoi? Je viens de vous dire que je suis une meurtrière. Je suis responsable de la mort d'Audrey. J'ai son sang sur les mains. Et Logan, il va me haïr. Pourtant, j'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Mais j'arrive pas à expliquer pourquoi je l'ai fait. C'est juste arrivé, c'est tout. Et c'est moi la seule responsable. Oui, moi et moi seule. Je suis une tueuse. Une folle. Une psychopathe. Alors maintenant, partez. Cassez-vous d'ici avant que je vous fasse la même chose qu'à Audrey. Jill, ça suffit maintenant. On t'emmène avec nous, que ça te plaise ou non. Tout va bien se passer, d'accord? Bon, mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que June et Reiko ne sont pas là. Putain, je le savais, tu vois? Toi et tes idées à la con!
Maintenant, on arrête les conneries et on passe à l'action. Il faut qu'on escalade la montagne. Logan, on peut pas foncer tête baissée. Il faut qu'on attende encore quelques minutes. Si ça se trouve, John et Reiko vont débarquer d'ici 5 minutes. Ça serait bête de les louper pour si peu. Ok, je veux bien attendre. Mais pas plus de 5 minutes. Jill ! Oh, te voilà enfin, putain ! Oh, tu nous as fait tellement peur ! Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que Audrey et toi vous partez ensemble sans nous prévenir. Et c'est pareil pour toi, Audrey. Audrey ? Elle est où, Audrey ? On a retrouvé Jill dans le sanctuaire. Oui, mais Audrey, elle est où, Audrey ? Eh ben... Non, y a pas de « eh ben » qui tienne. Tu vas me répondre maintenant, Jill. Où est ma petite sœur, bordel de merde ? Elle n'est pas vraiment en état de répondre. Elle est devenue complètement folle. Putain, mais je m'en fous qu'elle soit pas en état ! Je lui pose une question simple, là. Où est ma sœur ? Putain, réponds ! Tu ne pourras plus jamais la voir. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ta sœur est morte, Logan. Et tu sais qui l'a tuée. C'est moi, ton ami. Arrête, c'est pas marrant. S'il te plaît, dis-moi où elle est. C'est pas une blague, Logan. J'ai tué ta sœur. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai tuée. Non. Arrête. Non. Tu racontes des conneries. Venez à l'intérieur, on va vous expliquer. Lorsqu'on a trouvé Jill dans le sanctuaire, elle était paniquée. Elle tremblait, bafouillait, et faisait que dire des choses incohérentes. Et depuis, on dirait qu'elle est en pleine crise de folie. À sa manière de parler, on dirait qu'elle développe une double personnalité. L'une d'elles dit avoir tué Audrey, mais l'autre dit avoir été victime d'une agression. Donc si je comprends bien, l'une des deux personnalités de Jill sait où est ma sœur, pendant que l'autre affirme lui avoir fait du mal. Pour l'instant, c'est dur à dire. Jill ne fait que se contredire dans ses paroles. Mais la théorie la plus probable serait que le fantôme aurait attaqué Audrey. Malheureusement, c'est impossible d'en être sûr. Nous n'avons trouvé aucune trace d'Audrey. Donc Audrey est encore en vie ? Logan, je ne veux pas être pessimiste, mais vu l'état de Jill, tout laisse à penser que c'est justement la mort d'Audrey qui aurait déclenché la folie de Jill. Exactement. C'est elle qui a amené ta sœur dans la montagne et qui a causé sa disparition. Elle est rongée par la culpabilité. Si c'est vraiment le fantôme qui a tué ma sœur, Jill nous l'aurait dit clairement. Et c'est pas non plus Jill qui l'a tuée, parce que je connais Jill. Elle serait incapable de faire du mal à ma sœur. Jill nous a parlé lorsqu'on était dans le sanctuaire. Elle est perdue entre ce qu'elle sait avoir vu et ce en quoi elle croit. Mais Jill ne croit pas au fantôme. Justement. Et en ayant vu un vrai fantôme tuer Audrey, il n'y a tout simplement pas cru. Et son cerveau a traduit ça comme il le pouvait. Elle est donc convaincue d'avoir tué elle-même Audrey. Et depuis, elle ne fait que disjoncter. Un coup, elle dit l'avoir tué de ses propres mains. Puis 5 secondes plus tard, elle affirme que le fantôme est le responsable. Elle est en pleine crise de schizophrénie. Qu'est-ce que vous racontez ? Moi, j'ai jamais fait de mal à Audrey. Je l'aimais bien, Audrey. C'est Ayumi la responsable. C'est elle la coupable. Jill, on a suffisamment d'ennuis comme ça. Ne prononce pas son nom. Jill, maintenant que tu es redevenu toi-même, j'ai besoin que tu te concentres. Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'Audrey va bien ? Tout est confus dans mon esprit. Je vois des choses auxquelles je ne crois pas. Je me rappelle qu'on courait. On a essayé de s'enfuir. Mais Audrey, elle n'était pas assez rapide. Elle a eu besoin de mon aide, mais je me suis enfuie comme une lâche.
Je te demande pardon, Logan. Tout est de ma faute. Tu as le droit de me haïr. Jill, je sais que tu as fait ce que tu as pu. Lorsque notre vie est en danger, on ne réfléchit plus. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'est sûr de rien. Et moi, je suis sûr qu'Audrey va bien. Donc je vais aller la chercher. Quoi ? Mais t'es malade ! Tu vois bien dans quel état finit Jill après son aventure dans la montagne ! Irina, tes conseils, tu peux te les mettre, je pense. Logan, c'est du suicide ! Ton amie Irina essaye de te sauver. C'est beaucoup trop dangereux. Surtout après ce qu'il s'est passé avec Jill. Mais vous comprenez pas ! Vous comprenez rien ! Audrey, c'est ma famille ! C'est ma petite sœur ! Mon rôle, c'est de la protéger ! Et je suis pas un lâche, moi ! Je ferai tout pour elle ! Donc je vais aller la sauver, quoi qu'il en coûte ! Tu prendrais donc un risque inutile pour aller sauver quelqu'un qui est sûrement déjà mort ! Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire d'y aller. Reste auprès de tes amis. Tu seras plus en sécurité ici que là-bas. Merci de vous inquiéter pour moi. Si seulement quelqu'un ici s'inquiétait autant pour Audrey. Ça n'a rien à voir, Logan. C'est juste... C'est juste qu'on ne veut pas te perdre. Et ma sœur dans tout ça ? Comme te l'a dit June, il y a plus de chances pour qu'Audrey soit morte plutôt que l'inverse. Logan, ça ne servirait à rien de mettre ta vie en danger pour ça. Pour ça ? Pour ça ? Non mais t'es sérieuse là ? Audrey ne vaut pas plus qu'un ça pour toi ? Mais qu'est-ce qu'elle est pour toi en fait ? Une vulgaire gamine qui ne vaut pas la peine d'être sauvée ! C'est pas ce que je voulais dire. Tais-toi. Ça fait des années qu'on se connaît. Et j'aurais vraiment cru pouvoir compter sur vous. Mais ce n'est que dans les situations d'urgence qu'on découvre le vrai visage des gens. Je vous croyais différente, mais visiblement, je me suis gouré. Logan, attends! Ne bougez pas les filles, je vais aller le chercher. June, ça va aller? Oui, ne t'inquiète pas, Reiko. Fais attention à toi, grand frère. Je m'inquiète vraiment pour Logan. Moi aussi, Sky. Je comprends pas pourquoi il est devenu aussi violent tout à coup. Moi, je sais. C'est parce que j'ai tué Audrey. Jill, on sait très bien que c'est faux. Tu n'es pas comme ça. Comme l'a si bien dit Logan. On finit tous par montrer notre vrai visage un jour ou l'autre. Et moi, je suis une tueuse. Oui, c'est vraiment moi. Dans le fond, je ne veux pas vous faire du mal. Mais je sais que je vais le faire. Et lorsque la tueuse qui somnole en moi se réveillera, je ne veux pas que vous soyez là. Alors partez. Je vous en prie. Je ne veux pas que vous connaissiez le même sort qu'Audrey. Jill, tu as besoin de te reposer, d'accord ? Viens avec moi, ça va aller. Pourquoi personne ne me croit ? Logan, mais qu'est-ce que tu fais, putain ? Il veut sauver sa sœur, c'est compréhensible. Oui, mais... et sa propre vie à lui, alors ? Il n'a pas peur d'être la prochaine victime ? Audrey, c'est sa sœur. Il est guidé par les liens du sang. Il est prêt à tout pour essayer de la sauver. Même s'il doit en mourir. C'est admirable, mais... suicidaire. Tu crois que... ça va aller, pour lui ? Je sais pas, mais j'espère de tout cœur. Attends-moi, petite sœur.
Je viens te chercher. Audrey ? Audrey ! Réponds-moi ! T'es où ? Tu as perdu quelqu'un, étranger ? Oh, Audrey ? Non, mais tu aimerais bien, n'est-ce pas ? Audrey, bon sang ! Je me suis fait un sang d'encre ! J'ai vraiment cru que... Oh, laisse tomber. Viens, on rentre.